autre tour de dressage. Et cette fois-ci, on s'attaque à quelque chose qui m'a beaucoup servi pour la marche en laisse que nous allons travailler plus tard, puisque c'est assez compliqué à tourner. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire asseoir son chiot à droite ou à gauche ou devant soi. Alors, sachez que c'est pas très compliqué. Il suffit que votre chiot ait appris à s'asseoir tout simplement n'importe où dans la pièce quand vous le demandez. Et ensuite, vous allez lui apprendre droite, gauche ou devant. Mais commençons tout de suite avec les explications. Alors, on va commencer tout simplement par prendre quelques bonbons dans une main qui vont beaucoup vous servir pour cet exercice. Donc d'abord, vous devez vérifier que votre chien sait s'asseoir. Mon Miyok sait s'asseoir sans qu'on lui demande, il voit un bonbon, il le sait. Miyok, viens. Bobo, assis. Viens mon chien. Vous vérifiez plusieurs fois que votre chiot a bien compris comment il doit s'asseoir, etc. On va commencer par ce qui est le plus facile pour vous, c'est à droite. Pour que votre chiot vienne s'asseoir à droite comme Miyok le fait en ce moment, il faut tout simplement l'appeler quand vous voyez, prendre le bonbon, s'il a une odeur, c'est beaucoup mieux pour lui pour le chercher, de venir lui montrer Miyok. Le faire se mettre à votre droite et lui dire assis, droite. Vous le faites ici. Vous repartez avec vos occupations, vous marchez, voilà, je marche. Je reprends mon bonbon, Miyok, droite. Et je le félicite. Comme d'habitude, vous félicitez, vous donnez un bonbon, etc. Puis ensuite, vous ôtez le bonbon pour vérifier si votre chien a compris. Miyok. Miyok. Droite. Bien, mon chien. Ça, c'était pour la droite. On va essayer à gauche? Oui. Pour cela, on change de main. On met les bonbons dans la main droite. On prend un seul bonbon dans la main gauche. Miyok. Gauche. Bien, mon chien. Et on fait exactement de la même manière que pour la droite. Sauf que quand vous allez marcher, vous partez comme ceci. Bien. Gauche. Non, pas tout rond. Gauche. Voilà. Gauche. Doucement, tu m'as mordu un doigt. Pourquoi est-il important tout simplement d'apprendre à asseoir son chien devant et pas sur les côtés ou sur les côtés et devant? Sur les côtés, c'est pour la marche en laisse. Devant, c'est pour le rappel. Tout simplement parce que quand votre chien va revenir, soit vous lui dites droite, il revient à droite. Soit vous lui dites gauche. 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 Et il revient à gauche. Il y a un avion qui passe. On va attendre qu'il passe. Soit vous lui dites droite, il va à droite. Soit vous lui dites gauche, il va à gauche. Soit vous lui apprenez tout simplement à s'asseoir devant vous. Ainsi, il fait deux obstacles. Il est face à vous et il est concentré sur vous. Pour ça, même opération, on prend le bonbon. Mimi. Assis devant. Et vous répétez l'opération plusieurs fois. Vous vous baladez. Votre chien peut jouer. Vous pouvez courir. Miyok, assis devant. Tout le temps les mêmes opérations, etc., etc. Ça permet à votre chien de bien être canalisé quand vous partez en balade sans laisse, évidemment. Voilà, maintenant votre chien sait s'asseoir à droite ou à gauche, comme ici, ou devant. Cela vous sera très très utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si votre chiot a quelques difficultés. Je pourrais peut-être vous aider à trouver d'autres solutions pour lui apprendre. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Miyok, t'es d'accord? Ah bah. Ouais. Je crois qu'il est d'accord.